Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon tour d'Europe avec mon van aménagé. En ce moment, je suis en train de remonter tous les pays de l'Est pour atteindre les pays scandinaves. Et aujourd'hui, je suis en Roumanie dans une station de ski, juste ici. Je vous emmène faire du ski de rando, enfin, ça va dépendre de la neige, vous allez voir. Et sans plus tarder, on y va. Et moi, je m'en vais faire un petit sommet. Je démarre mon itinéraire depuis le bas de la station de Straja et je suis obligé de suivre les pistes parce qu'en dehors, c'est que du gazon. Même si on est en plein mois de février, les températures sont assez élevées et il n'a pas neigé depuis longtemps. C'est quand même assez inquiétant de se dire qu'en principe c'est la haute saison et que les montagnes doivent être chargées. Et je suis pas au bout de mes surprises encore. En attendant, j'aperçois mon objectif de la journée, le sommet de Straja qui culmine à 1868 mètres. Là, il y a un petit lac artificiel. Et quand tu vois qu'il reste quasiment plus d'eau, c'est qu'à mon avis, ils ont dû bien poncer les canons à neige. C'est un peu triste quand même, hein. Et petit à petit, je commence à me rendre compte que j'avance de moins en moins sur de la neige. Là, c'est un truc de ouf. Plus je monte, moins il y a de neige. C'est quand même impressionnant. Bon, alors là, par contre, je m'attaque à un problème que j'avais pas imaginé. Plus je monte et moins j'ai de neige. Donc, je crois que je vais pas pouvoir aller au sommet. Mais bon, je vais monter au plus haut que je peux et puis on verra bien. De toute façon, je suis pas là pour faire du beau ski. On remettra ça plus tard. Hein. Bon voilà, la partie skiable s'arrête juste ici. Après là, c'est que du champ de mine, de gazon et de cailloux. Mais je pense que je vais quand même monter au sommet. Et puis je redescendrai à pied, hein, c'est pas grave. Et me voilà parti pour le sommet sur 10 cm de neige à peine, en essayant de me trouver un chemin. Mais au moins, point positif, j'étais tout seul dans les environs. Et surtout, tout seul au sommet. Let's go! Une belle vue quand même, hein. Ouais, franchement, on peut vite voir que là, il n'y a plus de neige très rapidement. Par contre, en face, il y a grave de la neige. Je suis trop dégoûté, j'aurais dû aller là-bas en fait. Allez, maintenant, il est temps pour moi de m'équiper pour la descente, de jeter un dernier coup d'œil à la vue et de commencer à redescendre à pied. Et ouais, sur la partie sommitale, la couche de neige était vraiment trop fine pour descendre à ski. Allez, c'est bon. Je suis arrivé sur ma petite piste de danse. Et pour ce début de descente, je vais vous laisser avec ce doux bruit de neige fraîche. Bon allez, je rigole, ça sera plus épique avec de la musique. Et voilà, arrivé au camion. Bon voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu, ce petit format. Je crois que j'aime bien faire des petites vidéos comme ça, quand il y a un petit sujet assez intéressant à vlogger. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!
Putain, je suis en train de louper la piste.